La paix du Christ. La paix du Christ. Esengoto, Esengote. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, ensemble, construisons notre Église en mettant tout en commun. Ephésiens 2, 19 à 22. Tel est le thème de l'année pastorale 2022-2023 qui s'ouvre aujourd'hui. Chers frères et sœurs, Dieu qui ne cesse de nous guérir et de nous relever, éclaire notre existence chrétienne quotidienne. Au cours de la messe de ce jour, Monseigneur bienvenue Manamika Bafouakwao ordonnera diacre 9 de nos fils et frères. Ensemble, rendons grâce à Dieu pour son amour infini. Naisengonyon sotoko teleme po na tobanda misa na biso. Maboko, maboko. Thank you.
maboko, maboko. Na esengo nyonso to yamba bandeko na biso.
Eucharistie, j'aimerais saluer la présence de Monseigneur le nonce apostolique, Monseigneur Javier Herrera, et aussi Monseigneur Armel Kema, évêque de Wesso. Du point de vue civil, nous accueillons aussi Madame la ministre Soudan Nono, l'honorable Kinyombi Tiambongu, le président du CNALC, Monsieur et Madame Merassa, Monsieur et Madame Rémi Ayo Sikunga, sans oublier, excusez-moi, l'honorable administrateur maire de Brazzaville et tous les vicaires généraux, supérieurs majeurs, tous les prêtres ici présents. Veuillez les accueillir, s'il vous plaît. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir. Boboto, Bondeko, Essengo. L'appel des candidats sera fait par un diacre. Ensuite, suivront la demande et la présentation des candidats à l'évêque par le vicaire épiscopal chargé du clergé. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Bitsou Manou Grâce Charel. Bote Balou Loubassou Jorei Barachel. Bouesso Djansuika André Jean-Flore. Djamesso Franck Daniel. Kwebasala Brem Junior. Mbongolo Emmanuel Marie. Mouzita Matondo Samuel Archange. Mouye Roy Bertrand. Mvoama Godwill Devochel. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous demande, vous présente ses frères Bitsou Manou Grâce Charel, Bote Baloulou Bassou Djorei Barachel, Bouesso Diatuika André Jean-Flore, Diamesso Franck Daniel, Kouassala Brem Junior Mbongolo Emmanuel Marie, Mouzita Matondo Samuel Archange, Mouye Roy Bertrand, Mvoama Godville de Vauchel, et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Franck Daniel Diamesso. Il est né le 26 mars 1990 à Brazzaville, de feu Mayuma Pierre et Baïdikila Christine Yvonne. Franck est le benjamin d'une fratrie de six frères et sœurs. Il a fait ses études primaires à l'école Notre-Dame d'Afrique de Kibouéndé, chez les sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Ensuite, il vient à Brazzaville pour le cycle secondaire au CEG Saint-Joseph de Bakongo, avant de poursuivre ses études au lycée Almikar Cabral. Le séminaire propédeutique lui ouvre les portes et la voie du grand séminaire de philosophie et de théologie à Kinsoundi. Le rapport de stage souligne la disponibilité du candidat, sa serviabilité et la ponctualité. Franck sait alterner avec panache les moments de prière personnelle et communautaire. La grotte a été son lieu de prédilection et le chapelet, son exilir, dit son rapport,
C'est un féru de l'adoration eucharistique. Sa passion débordante de la prière lui a valu la redynamisation de certaines dévotions à Fadi, à la paroisse Saint-Martyr de l'Ouganda de Kingwari. Cerise sur le gâteau, ses exhortations soignées et bien préparées, en plus de son humour et sa courtoisie, décoiffent et font de ce garçon un bon compagnon de vie. Cependant, dans son rapport, on note un point d'attention. Franck doit faire preuve de flexibilité dans l'exécution de ses tâches communes avec les autres. Ainsi donc, un peu de souplesse, cher abbé Franck, ne vous ferait pas de mal, disent vos aînés, abbé Prisque, Innocent, Arnaud Rodrigue Nganga, le curé. Samuel Archange Muzita Matondo. Né le 25 juin 1992 de Muzita Joseph et Mouila Thérèse. C'est le Benjamin et le singleton d'une fratrie de 4 filles. Après ses études secondaires et primaires, Samuel entre au petit séminaire Saint-Jean de Kinsoundi en 2000. L'obtention du bac A2 lui ouvre la voie du séminaire propédeutique, du philosophat puis du théologat à Kinsoundi. Les charges que son directeur de stage, Abbé Guy Honoré Madiengela, souligne sont les suivantes. En plus des charges pastorales classiques, Samuel est réglementaire, popotier, sacristain à Goma Tsetse. Il prépare, soigne, puis anime les offices, liturgie, messe, liturgie des heures, messe, adoration et accueil et prière avec les pèlerins. Son curé insiste et apprécie grandement son silence et ses méditations. Samuel aime l'apostolat et l'organisation de rencontres programmées par l'équipe presbytérale. Nous remarquons, conclut abbé Guy Honoré Madiengela, beaucoup de clarté et beaucoup de spontanéité dans les charges que nous lui avons confiées. En nota bene, il est souligné que Samuel aime le dessin sur les bâtiments, la lecture et la musique. Grâce Charel Bitsoumanou. Permettez-moi, Excellence, de lire in extenso son rapport de stage. Excellence, je cite, « Depuis le mois d'octobre 2021, il m'a été confié à la paroisse Saint-Marc d'Odziba, dont j'ai la charge, l'étudiant Grâce Charel Bitsoumanou, en vue de son stage du diaconat. Grâce Charel Bitsoumanou est né le 13 mars, fils de Nkatukidi Victor Michel et Mbundani Laurentine, tous de nationalité congolaise. Il est le 6e d'une fratrie de 7. Après 9 mois passés dans cette paroisse où il s'est occupé de la cuisine et du catéchisme, sans oublier les nombreuses responsabilités quotidiennes, il ressort de la vie de tout le monde que Grâce Charel peut poursuivre sa route vers le diaconat. C'est pourquoi humblement, nous vous le recommandons comme futur ministre de l'autel. Fête à Odziba, le 3 juillet 2022, abbé Pascal Bamokena. Il y a eu un petit lapsus. Il est né le 13 mars, donc 1994. Botebalou Lubasu Jo Rey Barachel. Fils de feu Botebalou Joseph et Mpassi Raymond, Jo est né le 13 juin 1994 à Pointe-Noire, où il fait ses études primaires, avant de rejoindre Brazzaville
pour la suite de sa scolarité. Il rentre au petit séminaire Saint-Jean en 2010 et y reste jusqu'en 2013. Après, il intègre le séminaire propédeutique en 2014, puis le grand séminaire Monseigneur Georges Firmin-Singa en 2014, et il poursuit son second cycle au séminaire Cardinal Émile Mayenda. C'est là qu'il sera jusqu'à la fin de son parcours académique. Son parcours établi par l'équipe presbytérale de Mungali souligne que Joe est un garçon mature, plein d'avenir dans le sens où il sait ce qu'il fait et le fait bien, dans le bien de la communauté. Joe est un homme de prière. Sans attirer l'attention de personne, tous les jeudis, on le voit adorer le Saint-Sacrement. Et la nuit, sans faire du bruit, il dit son chapelet à la grotte. Ami des jeunes, il a été toujours présent et disponible pour les jeunes et aussi pour les malades qu'il visite régulièrement. Bref, Joe est serviable, poli, courtois, obéissant et il aime le travail. Les chrétiens de la paroisse Saint-Esprit de Mungali consultés et son équipe pastorale souhaitent que Joe soit reçu aux ordres pour le diaconat. Bueso Diatsuika André Jean-Flore. Né le 1er octobre 1994 à Brazzaville de Bueso Antoine et de Nsadi Blandine, c'est un autre Benjamin de sa fratrie de 3 filles et 3 garçons. Son cursus scolaire commence à l'école Père Paul Ondia chez les Spiritains avant d'intégrer le petit séminaire Saint-Jean de Kinsundi. Parcours classique de formation ecclésiastique au grand séminaire avant son stage prédiaconal à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bakongo. Garçon doté d'une intelligence féconde et d'un esprit de créativité, Jean-Flore a un sens aigu de l'organisation. Il a mis en place un groupe de théâtre pour aider les jeunes à comprendre le sens théologique des grandes fêtes chrétiennes comme Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte. Jouissant d'une bonne santé, Jean-Flore a une vie affective équilibrée. Aucune plainte n'a été enregistrée à son sujet, précise le rapport. Les sœurs du noviciat de Saint-Joseph de Cluny, le conseil pastoral paroissial consulté et certains chrétiens discrets ont tous donné un avis favorable pour que Jean-Flore soit candidat au diaconat. Mbongolo Emmanuel Marie. Né le 11 février 1995 à Brazzaville, il est le fils de Mbongolo Marcel et de Bansimba Charlotte. C'est aussi un Benjamin d'une fratrie de 8 enfants, toutes des filles. Son école primaire, il le fait à Kinsundi 2. Après, il est à l'école privée Les Dominiques, l'école privée KNKM. Et il vient au séminaire en 2010, séminaire Saint-Jean, la propédeutique, le grand séminaire de philosophie, le grand séminaire de théologie. En stage, il a été affecté à la paroisse Saint-François d'Assise. Les points saillants de son rapport sont sa bonne santé. Il est par ailleurs un bon compagnon
Il a su bien accompagner les mouvements dont il avait la charge. C'était un enthousiaste, pourtant discret et réservé. Il entretient de bons rapports avec ses aînés prêtres et les paroissiens. Une remarque conclusive de son rapport dit ceci. Toutefois, en dépit du fait qu'il ne supporte pas les blâmes publics et la pression extérieure, nous le recommandons pour le diaconat transitoire, signé Abbé Servé Mumoko Lupé, curé de la paroisse. Mouillé Roy Bertrand. Né le 7 septembre 1995 à Brazzaville, de Mouillé Alphonse et Simbi Cécile. Son cursus scolaire est classique. Après le bac, il est au séminaire propédeutique Charles Mahond, avant de poursuivre ses études au grand séminaire de philosophie Monseigneur Georges Firmesinga. Son stage intercycle, il le passe à l'archevêché de Brazzaville. Ensuite, il poursuit son cursus au grand séminaire de théologie Cardinal Émile Beyenda. Le stage prédiaconal, il le fait au Mbongi Eugène Kakou. Et c'est le secrétaire académique de l'École des sciences religieuses. Son rapport souligne que Franck, c'est mens sana in corpore sano. C'est un esprit saint dans un corps saint. C'est un jeune d'une bonne éducation familiale. Les prêtres du foyer Abraham sont unanimes pour reconnaître en lui les qualités d'un jeune facile à vivre, avenant et social. C'est fort de ses qualités qu'il s'est employé avec efficacité au foyer Abraham, se faisant disponible à la gestion matérielle de la vie courante de la communauté. Cependant, il est par moments plus ou moins oublieux. Un petit effort en ce sens. Bertrand Roy n'a pas de problème de santé et sa santé intellectuelle n'a pas été prise en défaut. À l'École des sciences religieuses, où il a assuré la permanence et disposé les cours de latin, il a bien suscité l'admiration, aidant significativement les étudiants de l'école à avancer sur des questions théologiques. Sur le plan spirituel, Roy intègre bien les exigences du ministère presbytéral centré sur la prière. Sa vie spirituelle est alimentée par une participation effective à toutes les actions liturgiques de la communauté. Le rapport conclut, et je cite, « Bertrand Roy est rompu aux choses de Dieu. Il sait concilier action et prière. L'Eucharistie est au centre de sa vie. Notre avis est favorable pour qu'il soit ordonné diacre. » Signé le directeur du stage, Abbé Renaud Silver Kinzonzi. C'était pas son tour, mais bon. Mvoama Godville Devauchel, c'est le plus jeune de l'équipe. C'est pour cela qu'il est un peu pressé, je crois. Il est né le 15 novembre 1995 de Mvoama Philippe et Songela Antoinette. Il passe
ses études primaires et secondaires à Kinsundi, le quartier où il est né. Après, il entre au séminaire Saint-Jean. La propédeutique l'accueille de 2013 à 2014. Il poursuit son cursus classiquement. Il est issu d'une famille de 6 enfants, dont 4 hommes et 2 femmes. C'est aussi le Benjamin de la famille. Ses amis l'appellent, le surnomment chargé d'affaires. Tout simplement parce que c'est un bon organisateur. Moi-même, je lui ai attribué le surnom de disciple bien-aimé, parce qu'il est au cœur du diocèse. Il est bon intellectuellement. D'ailleurs, son affectation au secrétariat de l'archevêque est une recommandation de son rapport de fin de formation au grand séminaire de théologie. Peu bavard, mais c'est un excellent organisateur. Toutes ces délégations qu'il a eues comme charge, il les a assurées avec brio. Il jouit d'une santé affective équilibrée, obéissant, respectueux et stable. Il accueille les remarques avec beaucoup d'intérêt. Il a dispensé quelques enseignements durant le temps fort de l'Église aux personnes âgées de la maison des petites sœurs des pauvres. Il fait partie également du cercle restreint des rédacteurs des méditations de Schéma Israël. En paroisse, ici à la cathédrale, il a eu une présence discrète, mais très efficace dans l'action. Ses relations avec les autres n'ont aucun problème. Cependant, il doit faire attention à son côté un peu rigide. En tout cas, il est poli et attentionné. L'avis sur le candidat et suggestions pour l'avenir. C'est le rapport établi par l'abbé Michel Bordon Bébert Kimboani, ancien secrétaire chancelier. Je cite, « Au terme de son stage, le candidat peut être appelé à l'ordre du diaconat. En plus, une fois ordonné, en raison de sa parfaite maîtrise du fonctionnement administratif de l'archevêché, il pourrait encore être utile au secrétariat de l'évêque. Je sollicite donc qu'il y soit reconduit. Fait à Brazzaville le 15 juin 2022. Et il a été reconduit au secrétariat. Kwebasala Brem Junior. Il est né le 14 novembre 1995 à Renneville. Renneville, ce n'est pas dans la région parisienne. C'est au fin fond de Madzia Kibwende. C'est le fils aîné d'une fratrie de 3 filles. Né de Kwebasala Malanda Nicodème et Benankazi Nanette. Parcours classique, commencé à l'Inzolo, Kibina, lycée Savornion de Brazza. Brem, spirituellement et équilibré, est très assidu. Chaque matin, il récite les laudes avec ses aînés et quelques membres de la communauté paroissiale. Amoureux de cet exercice spirituel et manifestant un zèle encourageable par sa manière de psalmodier et très engagé dans l'animation des recollections dans les mouvements de jeunes. Du point de vue social, Brem est droit et responsable. Il sait gérer avec prudence, délicatesse et respect ses relations avec les paroissiens. Son directeur de stage dit que « Nous n'avons enregistré aucune plainte le concernant dans ses relations ad extra. Il sait gérer son temps et jouit
d'une maturité admirable. En conclusion, nous pouvons croire en ce jeune capable de beaucoup pour la vie de l'Église. Quelques chrétiens ont été consultés, sans oublier le vicaire paroissial. J'atteste que Brême Junior est apte à poursuivre son cheminement vocationnel. En vertu des prérogatives qui me sont léguées en tant qu'administrateur paroissial dans cette portion de l'église de la Thiémée, je vous recommande, Monseigneur l'archevêque, dit le rapport, le candidat Kwebasala Brême Junior à l'ordre du diaconat, signé Abbé Charbel Baoumina, administrateur paroissial. Le peuple chrétien a été consulté, Excellence, et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Grâce Charel, Jorey Barachiel, André Genflor, Franck Daniel, Brême Junior, Emmanuel Marie, Samuel Archange, Roy Bertrand, Godwill Devauchel, vous êtes prêts à vous engager au célibat. Voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Pour manifester votre résolution, au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous vous choisissons pour l'ordre des diacres. Esengoto, esengote. Na esengo wana tokotele mebiso banso pona ko tonda nzambe na biso na nzembo ya gloria. Totele mebiso banso. Maboko, maboko, maboko.
sengote, sengote. Ta grâce nous dévance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Toi qui as enseigné au ministre de ton Église à servir et non à se servir, accorde à tes serviteurs grâce Charel, Joré, Barakiel,
André Jean Flore, Franck Daniel, Brinck Junior, Emmanuel Marie, Samuel Archange, Roy Bertrand et Godwill Devauchel, que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre, d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans leur service et fidèle à te prier sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.